Chers frères et sœurs en Jésus-Christ et chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. À ses frères ou amis ou serviteurs ou Jean-Franquel Saint-Fort, et qu'a présenté au programme Secours Divin, Divine Assistance. À Secours Divin, Divine Assistance, c'est une non-profit organisation qui, dans la communauté haïtienne de Rockland County, depuis plus de 23 ans, depuis l'année 2000, nous avons établi l'organisation ça pour aider les enfants démunis en Haïti avec l'école. Yo. Donc, Frère Max, mes amis, nous, qui avons gardé le programme ça, dans le ça, nous saluons. Et nous comptons pour entrer la caillou dans un bon moment ça, pour nous vraiment passer un petit temps agréable avec nous-mêmes. Nous vraiment à parler de Secours Divin, Divine Assistance et n'a parlé on a remercié et toutes frères et sœurs amis qui toujours supporté Timon Sayo avec l'école yo en Haïti et n'a dit que Timon yo a fait de très grands progrès en progrès scolaire Timon yo réussi et on va les content pour connaître depuis 2000 et que Timon qui finit l'école yo qui l'en université et qui travaille. Et qu'il y a quelques là-dedans qui sont dans le pays étranger. C'est grâce à vous-même, frères, sœurs, amis, qui aidez à ce programme ça. Et nous remercions et nous saluons. Nous saluons. Donc, nous avons dit, année 2021-2022, Timon a fait très bien dans l'école. Il a tout réussi, excepté un seul. Un seul qui n'a pas réussi. Donc, on comprend ça. Et nous encourager les parents, nous encourager Timon ça pour faire mieux l'année prochaine pour réussir. Et si vous pas réussi, si vous avez joué à l'école, donc nous avons obligé de retirer le programme. Nous n'avons pas remis ça. Et nous disons merci. Et nous avons parlé, nous avons année ça, nous avons nous pas beau l'asnebio et signature. On comprend pour qui ça. Nous avons Saint-Chel qui est l'école, il a fait très bien. Et Saint-Chel pour aller dans la 7e année fondamentale, année 2023-2024, il est dans l'école Le Français Garderie Kindergarten. Et l'école ça, il est à Port-au-Prince. Et nous avons Ismaël, nous avons signé 2023-2024, qui est un cap haïtien. Il est dans l'école Simon Vivant International, il est dans la 3e année fondamentale. Nous avons Mish Naidin. En 2023-2024, dans le Cap Haïtien, il est dans le lycée national Jean-Baptiste Boukman. Il pourrait faire NS3. Nous avons aussi Lismani Monestime, qui est dans l'institution mixte Aimé Césaire, en année 2023-2024, qui est dans le Cap Haïtien, qui est dans NS3. Nous avons Clifton, année 2023-2024. Qui est dans l'école institution chrétienne de Jérusalem, qui va faire NS2, qui est dans Delma. Nous avons Wood Girlens, en 2023-2024, qui est dans Croix des Bouquets, on connaît comment la situation ça y est, qui est dans l'école mixte Saint-Charles-Borromée, qui va faire la deuxième année fondamentale. Nous avons Sam Gervenson, en 2023-2024, qui est dans le cadre des bouquets, je demande de nous prier pour Timon Sayo. Non seulement on va aider yo pour aller à l'école, mais aussi on va prier pour yo pour sécurité, yo, pour connaître comment la situation est, et pour bon Dieu mettre la paix en Haïti, et pour l'école, toute activité capable de reprendre normalement. Pour nous-mêmes, tout, nous sommes capables d'aller dans le pays. Nous avons Sam Gervenson, qui est dans l'école maternelle Marie Pouspin, il va faire la deuxième année fondamentale. Nous avons Jedenson Sébastien, 2023-2024, qui est dans l'école Croix des Bouquets, école maternelle Marie Pouspin, qui va faire la troisième année fondamentale. Nous avons Anne Saskia, qui est dans Croix des Bouquets, école maternelle Marie Pouspin, dans la deuxième année et kindergarten. Donc, nous avons des Timon Sayo pour aller à l'école. Nous avons Carmelo, Carmelo aussi, qui est dans l'école, qui est à Port-au-Prince. Et nous avons un groupe Timon qui est dans l'école Grand Gouave, qui est dans l'école Grand Gouave, côté Pasteur Wallace
à diriger. Pasteur Wallace, quand passé par moi ici, il prêchait pour nous dans l'église déjà. Et Pasteur Wallace, vous avez un petit rapport pour nous. Côté de Dino, nous avons gagné à peu près 12 élèves dans l'école Grand Brave. Dans l'école Grand Brave, côté Pasteur Wallace a dirigé. C'était Samson, Sanon, c'était Ricky, c'était Max Darwin, c'était Belmondo, c'était Edouise et Desmarais, c'était Clifton, Billy, c'était Christy, c'était Jeffrey et tant d'autres encore. Simon Sayo et Pasteur Wallace, que nous connaissons, Belmondo, en la deuxième année, médecine dentaire. C'est grâce à vous-même qui voyez Simon Sayo à l'école. Max Darwin, qui n'en reto, nous gagnons aussi Ashley qui prend un examen philo, année 2022-2023, et nous sommes sûrs qu'ils ont réussi. Nous gagnons Marvin qui est en sciences éducation, section mathématiques. Ouais, c'est grâce à vous-même. Nous avons pris Simon Sayo depuis le kindergarten, quand il y a monsieur l'université. Nous avons Billy qui est en deuxième année sciences administratives. Nous avons Christy qui est fini même, qui n'a pas étudié, qui est fini faire philo et qui n'a pas étudié rien. Nous avons aidé quelques Simon Sayo dans l'université avec un moyen quand même qui n'est pas très large, mais nous faisons le mieux que nous sommes capables. Nous avons Jeffrey qui est gradué dans céramique sous responsabilité famille. Mais nous avons aidé à finir en philo, c'est comme ça tableau à présenter même. Donc, nous sommes vraiment contents du programme. Nous avons un petit monde qui est en Floride qui finit. Nous avons deux petits monde qui sont en République Dominicaine. Nous avons un petit monde en Brésil. Nous avons un petit monde aux États-Unis. Et nous avons un petit monde qui a fait travail en Haïti. C'est très bien. C'est grâce à vous-même qui aidez et programme ça. Donc, l'année 2023-2024 a commencé. Donc, comme ça, nous avons envoyé le peu pour ce que nous gagnons en Haïti pour aider Timounio à entrer scolaire là. Et nous demandons pour aider nous. Aidez-nous pour nous vraiment parler et programme Secours Divin Divine Assistance. Donc, nous demandons. Comme on toujours fait, vous voyez donation pour nous voyer Timounio à l'école. Et vous me demandez, vous êtes capable de prendre un Timoun, sponsor un Timoun, les papes couteaux en pile, c'est seulement un Timoun, nous-mêmes, nos budget par nous, nous mettons seulement $300 pour Timoun pour l'école, pour l'année. Donc, vous êtes capable de sponsor un Timoun, et nous sommes bien contents avec $300. Et si vous n'êtes pas capable, deux, trois personnes sont capables de prendre avec $100. Et donc, ça nous voyait Timon à l'école. Eh bien, n'importe donation que nous mettons ensemble, et c'est ça qui fait nous quimber jusqu'à présent. Donc, adresse, vous êtes capable d'aider nous avec ce côté de Divine Assistance. Et si vous êtes capable de passer dans nos chèques, ou bien poster pour nous, mail pour nous, la PO Box 169, Monsey, New York, 10952. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir pour nous, vous pouvez lire en mail, écrire un chèque sur ce côté de Divine Assistance et vous pouvez lire dans la boîte postale 169 Monsey, New York, 10952. Et nous sommes bien contents de recevoir l'argent parce que dans Proverbe 19, verset 17, la Bible dit comme ça, celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Moun qui baille, moun qui pa gen grand ki chò, moun qui pa gen en pile, moun qui pa gen grand moyen, c'est à bon Dieu même pour prêter et bon Dieu a récompensé. Parce que la Bible dit, lorsque même moun ti vèt l'eau fret à yon moun qui serviteur bon Dieu, c'est bon Dieu même qui ou baille li et bon Dieu a baou en abondance. Donc, on sa frères et sœurs, investir dans le travail bon Dieu. Mettez main dans le travail, bon Dieu, dans la façon qu'on est capable, et bon Dieu a récompensé. Nous n'avons pas qu'à faire travail ça pour nous. Nous avons un peu de monde qui aide nous. Nous avons des techniciens qui aide nous. Nous avons des frères et sœurs qui donnent l'argent. Et nous remercions. Nous remercions spécialement frère Bruno Del Désir qui toujours
TP pour nous. Nous remercions aussi Samuel Saint-Fort qui toujours édite le programme pour nous. Frère Rodolphe François qui toujours fait ça. Et vous-même qui aidez nous. Et Sœur Marie César qui bat nous l'argent. Sœur Sauval Cadet qui bat nous l'argent. Sœur Jeanne Saint-Hilaire qui bat nous l'argent. Sœur Nicole Saint-Hilaire. Nous vous remercions parce que l'argent là allait de bon côté. Parce que l'aider Timonio à l'école. Nous remercions Sœur Jeline Saint-Germain, qui n'a jamais lagué nous. Depuis que nous commençons, elle a toujours supporté nous avec l'argent et avec l'encouragement. Et nous saluons Sœur Jeline avec toute famille, avec le speaker of the house. C'est pour ça que les petites filles, ils parlaient très bien. Et nous saluons Pasteur Anthony de Mosted. Pasteur Anthony de Mosted, c'est lui-même qui dirigeait. Et Seigneur Pasteur dans First Timothy Christian Church, dans l'église chrétienne de Timothy, qui est dans Spring Valley, qui est dans 198 et North Main Street dans Spring Valley. Pasteur Anthony de Mosted, nous saluons avec petit garçon qui avait milité, Pasteur Nathan de Mosted, nous saluons nous. Et Pasteur Anthony de Mosted, ma communauté, c'est un serviteur de Dieu qui toujours aidé ce côté de l'assistance. Depuis que nous commençons dans l'année 2000, Pasteur Demosthène n'a jamais raté une année pour ne pas envoyer donation. Donc, nous te remercions, Pasteur Demosthène, et l'argent là fait bon travail, et il peut aller, et ce coup divin, divine assistance, pour aller de l'avant. Nous saluons Sœur Immaculée Saint-Hilaire, nous saluons Sœur Arquette Félix, nous saluons Sœur Josette François, nous saluons Frère Audric Anilus. Frère Audric Anilus, c'était un condisciple de classe dans l'école théologique. Et de la Bible. Donc, nous saluons Frère Audric Anilus. Nous saluons Sœur Marie-Francélie Saint-Hubert. C'est la première fois que je vois un monde qui a même nom à petite film. Francélie Saint-Hubert, nous saluons. Nous saluons Sœur Jacques Louture, Sœur Emmanuela Philippe. Nous saluons Sœur Anne Ménard. Sœur Anne Ménard, c'est une qui toujours vraiment supporté nous. Sœur Marie et Léopold Benoît. Sœur Léopold, toujours là, aidez-nous. Merci. Nous saluons Sœur Marie Jeannot. Sœur Marie Jeannot qui aidez-nous. Nous saluons aussi, I have to say that in English, we have to say thank you to my friend, Miss Muriel Boardwalk Dalton. Sister Muriel Dalton, she always helping us. She helping us with one kid every year since 2020. She always give us money to send the children to school in Haiti. And Sir Mrs. Dalton, she is the chief accountant in Chestnut Ridge Transportation. Nous saluons Chestnut Ridge Bus Company. C'est là moi débuté et que il a fait un bon travail dans la communauté. Nous saluons Sœur Stéphanie Brunache, nièce moi, secrétaire moi, qui fait un bon travail. Nous saluons Sœur Claudette Médidor et tout le monde salue aussi Frère et Sœur moi qui persévère ensemble, qui toujours supporte le travail là. Et merci. Nous saluons Marthe Georges. Hier nous t'es ouais, nous t'es salué, nous t'es très content. Nous saluons Sœur Marie Venise Innocent, ma tante VV et mon panou, qui toujours a suivi le programme là. Et l'Irélène disait, oh oui, vous me regardez là, oui, et petite moins. Et Sœur VV, ma tante VV, nous saluons. Nous saluons Sœur Joseph, Frère Joseph Morancy et Sœur Josette Morancy. Nous saluons Ingrid Morissin. Nous saluons Sœur Mélanie Dagobert. Tout le monde sait supporter nous. Et largement, nous saluons et Frère Pierre Bobo. Frère Pierre, c'est Jack de l'église de Nayak. Et nous travaillons même côté. Nous travaillons même côté, c'est amis nous. Merci Frère Pierre Bobo avec Sœur Micheline Bobo. Que bon Dieu bénisse nous. Nous saluons Frère Jean-Robert Jean-Charles, maestro nous. Que bon Dieu bénisse. Et avec Madame Lise, Sœur Brigitte. Nous saluons toutes frères et sœurs qui toujours supportent nous. Nous saluons Sœur Espéranta Louture. Sœur Espéranta Louture, elle est toujours aidée ce coup divin de assistance. Donc, elle est quand même ferme, elle n'est pas jamais laguée. Nous saluons Sœur Marie-Carmel Bernard Smith de l'église de Newburgh. Donc, toutes frères et sœurs, ça y est, supporté et ministère ce coup divin de assistance.
Nous saluons Jacques-Luc François Jean-Bart. Jacques-Luc François qui sortit célébrer 96 ans et de anniversaire et que bon Dieu a béni. Nous saluons et frère Jacob Loutur, nous saluons sœur Marie Léon, nous saluons Nico, Nico et nous saluons Yves Bigor, nous saluons sœur Micheline Bourgelin, nous saluons sœur Micheline Bourgelin et nous demandons que bon Dieu bénisse toutes frères et sœurs Sayo. Nous saluons sœur Denise Morissin et nous saluons supporter et travailler. Nous saluons sœur Marie Gerda Saint-Fort, c'est grande sœur moins. Nous saluons sœur Paulette Calix. Nous saluons toutes bien-aimées qui toujours supporté et travaillent. Frère Rodolphe François, sœur Jacqueline Saint-Fort. Yo toutes mes témoins qui aident et travaillent à aller de l'avant. Nous saluons frère Jacques Brunache. Nous saluons sœur Nicole. Sœur Nicole, nous saluons toutes bien-aimées qui aident et supportent ce coup divin. Si nous avons manqué ou non, et connaissons que nous avons en pile, il n'y a pas assez. Et nous vraiment contents du travail que vous faites en vous. Nous pas oublier où c'est Thérèse Pierre. Que bon Dieu fortifie où c'est Thérèse Maestro Panou. Nous saluons frère Joseph Milien et Jacques Panou qui toujours aider tout travail qu'a fait la communauté. Hein. Et nous pas capable aller pour nous pas inviter dans le programme Secours Divin hein, et pour nous inviter dans première église évangélique baptiste de Avestro. Première église évangélique baptiste de Avestro, c'est une église que le Seigneur a placée dans la communauté ça pour desservir toutes frères et sœurs. Yo. Donc, on ça nous inviter pour venir visiter l'église hein, qui est située dans le numéro 4 Lincoln Street à Avestro, New York. L'église en lui fonctionner et les dimanches dans 9h30 dans l'école du dimanche et nous commencer service de grand service nous à 10h30 pour 12h30 et souvenir au pape regrette ou parce qu'on va adorer le Seigneur et que on a béni que on a édifié et sous pour convertir qu'a profiter accepter Jésus comme sauveur personnel ou parce que sans Jésus pas gain la vie. Donc béni dans service nous le dimanche soir. Nous avons un service de 7h30 à 9h. Nous garantissons que vous allez la caillou à l'heure. Et aussi, le lundi, nous avons une étude qui est très goûtée avec pasteur Mérilien Saint-Albert de 7h30 à 9h. Nous avons aussi l'église, un jeûne de prière chaque mercredi de 10h à midi. Et venez adorer le Seigneur, venez présenter vos requêtes devant le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, mandé ou va joindre, frappé ou va ouvrir pour vous, chercher et ou va trouver. Donc, on ça les mercredis. Et puis aussi, chaque deux mercredis, nous gagnons une food distribution. Nous gagnons une food pantry dans l'église. Hein, alors que New York State, ben, nous nourriture pour nous distribuer. Nous invitons au venir ce que vous avez besoin. Et disons l'autre monde qui est capable de venir dans l'église, hein, dans Fort Lincoln Street, dans la distribution de nourriture, chaque deux mercredis. Donc, comme nous en octobre, nous avons une distribution le 25 octobre et ensuite 29 novembre. Donc, comme ça, nous invitons à venir et nous invitons tout et venir mettre main, venir supporter, venir aider nous travailler ça parce que nous n'avons pas qu'à faire sans nous-mêmes. Nous, là, le 25 octobre, depuis 9h, nous avons là dans le building là, au rez-de-chaussée pour nous faire ça et nous invitons à venir supporter nous. Et même le 1 de 9h à 5h et le 29 novembre, etc. Merci d'avance. Et nous avons invité aussi l'étude biblique que nous avons dans l'église chaque jeudi de 7h30 à 9h avec pasteur Jean-Frankel Saint-Fort. Donc vraiment, vous pouvez sortir de l'ignorance à la connaissance. Tant qu'on nous attendait message pasteur William Paul matin. Hein. Donc, lorsque vous avez connaissance de la parole de Dieu, ça aide au grandir, ça aide au faire volonté, bon Dieu, ça aide au béni. Donc, on nous cherche connaissance de la parole de Dieu, parce que dans Osée 4, verset 6, nous avons recommandé au Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Et puis, suite là, dit, un paquet de vérité que nous avons mis ou même ou béni la vérité, ça y est. Le jeudi, nous avons étude et aussi, le samedi matin, nous avons un déjeuner spirituel sur ligne de prière. Ligne de prière, c'est l'an 1845
317 78 54. Donc, participez avec nous, si vous n'êtes pas venu en chair et en os dans le sanctuaire, et vous êtes capable d'adorer avec nous sous ligne de prière, l'an 1-845-317-54. Donc, les samedis, nous avons prière de 9h30 à 10h30, seulement une heure de temps de prière. Donc, nous profitons de l'occasion, ça, chers frères et sœurs et amis, pour nous inviter au 10e anniversaire Fondation l'Église. En 3e semaine de décembre, ça va faire nous exactement 10 ans depuis que le Seigneur placé nous dans le building, ça, dans Fort Lincoln Street. Et nous avons passé une semaine de réveil spirituel pour exprimer reconnaissance nous envers l'Éternel. Pour nous exprimer reconnaissance nous envers l'Éternel, nous avons commencé du dimanche 10 décembre pour nous finir dimanche 17 décembre avec une grande fête de reconnaissance. Nous invitons chaque soir. Chaque soir, nous avons des prédicateurs et des églises qui sont avec nous pour louer le Seigneur avec nous, pour chanter la gloire de Dieu et aussi pour tendre le message de la parole de Dieu. Donc, chaque soir, à partir de dimanche 10, pour finir dimanche 17 décembre, chaque soir, nous avons à partir de 7h pour 9h30 et dimanche soir, cap grande célébration, qui a commencé de 7h pour 9h30, 10h. Nous connaissons, vous avez participé avec nous, et vous êtes toujours là. Et dans l'occasion, vous avez moyen, vous avez côté pour parquer. Vous avez dans Saint-Thierry, côté que vous avez un château boss, un château vin, qui a pris un, et l'autre parquer dans Saint-Thierry, qui a pris un maintenant là. Et Saint-Thierry, il y a à peu près 2 minutes en voiture et soit marcher à peu près 5 minutes de marche. Donc, venez avec nous, pas quitter rien bloqué ou pour venir adorer le Seigneur. Nous avons un thème qui très vraiment pour bénir le thème ça que nous jouons dans Exode chapitre 25 verset 2. Exode chapitre 25 et verset 2. Et thème dit comme ça, une offrande de bon cœur à l'Éternel. Une offrande de bon cœur à l'Éternel. Exode 25 et verset 2. Si vous besoin plus d'informations sur toute activité de l'Église, vous êtes capable de relayer dans 1-845-598-6322. Vous êtes capable de relayer 1-845-598-6322 et vous allez parler avec serviteur ou et capable plus d'informations. Je crois que c'est là que vous avez avec vous sur le programme et que nous avons parlé de secours divin, de témoignage, de progrès que vous avez fait et que nous avons invité pour participer avec nous, pour contribuer, pour bailler. Bailler pour le Seigneur récompense vous pour aider Timon Sayo avec l'école. Vous avez fait de grands progrès, vous avez fini et grâce à vous-même. Donc, bon Dieu bénisse nous et remercie les techniciens nous qui ont aidé nous et vous-même qui t'a suivi. Que bon Dieu bénisse nous. Donc, nous quittons avec une musique évangélique. Réjouis-vous dans le Seigneur et n'espérez-vous nos jours saillants dans le sanctuaire, dans la Follinken Street. Et nous espérons recevoir enveloppe-vous dans l'adresse à P.O. Box 169, Monte New York, 10952. C'est frère-vous, amis-vous, Jean-François Saint-Fort qui te présente au programme Secours Divin, Divine Assistance. Et à bientôt. Ak men leve, avec yon cœur bien disposé, bouche mwen chante, alléluia. Ak men leve, avec yon cœur bien disposé, bouche mwen chante, alléluia. Ak men levé, ak men levé, avec yon cœur bien disposé, bouche mwen chante, alléluia. Levé bien, on dit ak men levé, ak men levé, avec yon cœur bien disposé, bouche mwen chante, alléluia. Ak men levé, ak men levé, avec yon cœur bien disposé, bouche mwen chante, alléluia.
avec un cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia, avec mes levées, avec un cœur bien disposé, bouche moins chanter. Alléluia. Levant puissance sous, m'adorer et célébrer. Oh, gardons mon Dieu, gardons mon Dieu, gardons mon Dieu, gardons mon Dieu.